Comment ça s'appelle? Vous savez le jeu là, le MMO là, qui a l'air super méga cool, de la mort qui tue. Nouveau. Bah oui. Non mais ça me saoule les trucs là, les notifications, faudrait que je les enlève. Dofus. Non, 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 Black Desert Online. J'ai un accès à la bêta, mais je sais pas si je pourrais le streamer en fait. C'est ça qui est dommage. Moi je suis en mode découverte, je vous le dis. Hein. J'ai joué. Salut Maxence! J'ai joué à Oblivion, j'ai joué à Morrowind, j'ai joué à Elder Scrolls Online, enfin j'ai joué à tous les Elder Scrolls sauf celui-ci. Allez savoir pourquoi. Moi, je mets pas la caméra tout de suite pour des raisons tout simplement que ce que je suis en train de faire est tout simplement interdit par les CGU de Twitch. Fumer devant la caméra, hein, je fume ma clope. J'ai deux clés si tu veux, Nemeko. J'ai fait un concours sur Twitter. Et mon PC tout à l'heure il s'est mis en mode YOLO. Je mets tous les palais, je mets toutes les configurations en ultra. J'ai fait oui. Avec le stream et avec le PC en carton que je me paye, c'est même pas la peine quoi. Je vais juste baisser le son parce que le son du jeu est extrêmement fort, je trouve, à mon humble avis. Il y a un souci de souris. Tab, 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 tab. Non, je veux juste, s'il te plaît, je veux juste, voilà, baisser un petit peu le son. Parce que j'entends, enfin bref, je baisse le son, voilà. Voilà. Super. Ah mais j'en doute pas qu'il soit excellent, Maxence. J'ai entendu que du bien les Elder Scrolls déjà online, les Elder Scrolls par définition sont excellents. Quitter? Non 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 non. Ah voilà. Quoi, il est bâillonné lui? Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric, le jarl de Vendôme. C'est vous. J'avais même pensé à un de ces quatre à me refaire les The Witcher. Pour les gens que ça intéresse, parce que. Parce que moi j'ai. Enfin. J'ai la chance de les avoir sur PC. Moi, je suis censé faire quoi? Attends, on se touche là. Ah. Le bourreau attend. Ok. Ouais, ça commence bien, on va essayer de me trucider déjà. Ça serait bien moi, j'ai le 2. Non, bah allez, on va recommencer par le premier, puis commencer par le premier, puis le second, puis après le 3 est très très long, très 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 long le 3. Mais je sais pas si je ferai ça sur PZ ou sur ma chaîne principale. Mais ça serait un genre de truc, genre des mi-fin, un épisode, voilà, ça serait, ça peut, je pense que ça peut être cool. Moi j'attends. Putain, allez, c'est un peu longué là. Hein. J'ai zéro patience. Je vais chanter la maison de Mickey pour la peine. Mon fils m'a gavé avec ça toute la journée. Il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de lui offrir des DVD de la maison de Mickey. Je lui remercie grandement, celui qui m'a fait livrer ce colis. Parce que je sais pas qui c'est.
J'en reçois des trucs, des fois je sais pas qui c'est pratique. Et c'était pour mon fils, c'était la maison de Mickey, donc j'ai été un peu étonné. Donc je maudis cette personne du plus profond de mon cœur. Je reçois tellement, des fois je reçois des trucs, je sais même pas d'où ça vient. Je vais faire un genre de truc, ouverture du courrier. Des fois je reçois un peu des trucs what the fuck quoi. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là. Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers. Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Attendez. Vous là. Avancez. Me tue pas, je suis gentil. Qui êtes-vous? Alors, on va pouvoir faire cool. On va pouvoir faire mon perso. Moche. On va rester dans le nordique, hein. Corps. Bah déjà, on va faire une fille. Après tout, je suis une nana. Ouah, c'est quoi ces tronches? Non. Teinte de la peau. Ouais, je suis un peu mat de peau. C'est parfait comme ça. Tête. J'ai choisi tête. Bah, tu m'emmerdes. Oh mon dieu, on peut faire des orques. Oh mon dieu. Cool. Impérial. Ouais, c'est un peu, c'est très. Ouais, non, on va rester un petit peu dans le côté. On va utiliser. Ah, ben d'accord, c'est la flèche qui bug. Ok. Ok. Aspect. Voilà. Ouais, en gros, si c'était crasseux ou pas, cicatrice. Ouais, on peut pas la bouger. Ouah, bark. Peinture de guerre. Ah ouais, ça y est, les peintures de guerre. Si, si. Bouge ta tête. Ah, classe. Couleur des peintures. Et pas du noir. Comme ça, ça fait dark. Voilà. Visage, type de nez, hauteur du nez, longueur du nez, largeur de la mâchoire, la mâchoire carrée, avancée de la mâchoire, on va mettre les pommettes hautes, voilà, couleur des joues, des rides, ouais non, je suis pas ridé, premier qui dit que je suis ridé, vous êtes mort. Couleur du front. Ah, parce qu'on peut même changer la couleur du front, quoi. Normal. Normal. Forme des yeux. Ouais, ça faisait un peu rapproché, c'est un peu moche quand même. Couleur des yeux. Moi j'ai les yeux noisettes. Non, en fait, je vais pas mettre des peintures de guerre. Je vais vous faire chier là, je vous le dis, hein. Parce que moi j'aime bien faire mon personnage de manière cool. Non, je veux pas faire de peinture de guerre en fait. Zéro peinture de guerre. Œil, œil, vas-y, œil. Voilà. Sourcil, type de. Oh non, mais. Ah ouais, on peut bien personnaliser. Ouais, mais c'est ça, j'aime bien faire mon perso, c'est quelque chose que j'aime bien, je vais pas trop prendre non plus de temps, mais sinon avec moi vous allez attendre 30 ans. Voilà. La bouche. Voilà. Les cheveux. Y'a pas un truc du genre Valkyrie ou un truc comme ça?
Attends, c'est nordique. Allez, tenez, comme ça, c'est classe. Hein. Non, je plaisante. Tourne ta tête. Ah, mon Dieu, qu'elle est moche! Bon, allez, ça, c'est bien classe. Couleur des cheveux. Bon, moi, ils sont noirs. Oh, ça va. Ça me ressemble assez, je trouve. Nom du prisonnier. Ok. On va l'appeler. Ah non! Hop. Mon nom de perso dans World of Warcraft. Ça y est. Bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. Capitaine, que fait-on? Elle ne figure pas sur la liste. Oubliez la liste. Elle va au bio. À vos ordres, capitaine. Désolé. Au moins mourrez-vous ici, sur votre terre natale. Non mais sérieux, elle veut me crever, quelle connasse! Mais t'es une connasse, madame! Excuse-moi de te le dire, t'es une grosse connasse! En gros, voilà, elle me connaît pas, je suis même pas sur la liste des prisonniers, mais elle veut me crever. Non, non, mais d'accord, je te retiens, toi. Toi, t'es pas... Salut, Pikachu! Non, mais toi, t'es passé number one sur ma blacklist, là, quoi. Faut que j'avance? Désormais, l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Je crois que c'est un dragon. C'est rien, continuez. Oui, j'avais raté. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Eternus. Que les huit divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Tranchez-lui la tête! Paix à ton âme, petit homme. Oh ouais. Chien d'Imperio. Justice. Mort au sombrage. Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Salut Dova. Y'a un dragon. Vous avez entendu? Je crois qu'il veut venir me faire la peau. Au suivant. Allez. Allez. Et pourquoi moi? Mais non! Non? Je refuse de me faire tuer comme une manante. Sentinelle, que voyez-vous? Bah un dragon, connasse. C'est la guerre! Ah! Ouais, bah faut peut-être que... Hi! Salut Jen. Meurs maintenant. Elle, il a failli me cramer le... Ma femme, il a failli me cramer le poil des moustaches. Hein. Allez, on vous suit des contrôles. Ah, Escape from Tarkov, carrément. J'ai fait une demande pour la bêta. Ils me botent carrément ce jeu. Côté survie tout. Curé. J'ai où? Y'a un vilain, y'a un méchant. Va-t'en, va-t'en. Merde. Ah non, je suis coincé. Il m'a ouvert le passage. Ah oui, il a ouvert le passage. Oh, on peut pas récupérer son arme.
Putain, c'est nul. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Salut Saga. Faut qu'on discute. Ouais, y'a pas de soucis, Nemeko. Je suis entré. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. C'est vraiment un dragon. Un héros de la fin. Ça marche, Nemeko, merci d'être passé. On ferait mieux de partir d'ici. Venez là. Laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Vas-y, détache-moi maintenant. Ces liens ne vont pas se couper tout seuls. Détache ton futur maître. Merci. Laissez-moi vous libérer. Nous y voilà. Regardez autour de vous. L'équipement ne manque pas ici. Je vais essayer de trouver quelque chose pour ces brûlures. Trouver des contenants. Fouillez ces coffres pour... Oh, de l'or. Tout à fait, bien sûr. Si vous ne trouvez pas une armure pour vous. Oh, tu me fais pas les coffres, c'est à moi, d'accord, t'as compris? D'accord, il y a un pot. Vous feriez mieux de vous équiper. Mais m'équiper de quoi? Ah ouais, faudrait que j'aille voir un petit peu les mods, justement. J'y pensais, faire des trucs avec des mods et tout, mais je vais un petit peu avancer dans le jeu. Tab. Oui, c'est ça. Alors. Par contre, c'est un peu la grosse daube. Bah équipé. M1, M2. Bah oui. Je suis équipé. Oui, je suis équipé. J'ai pas mon arme, putain! C'est quoi ce délire? Attends, il n'y a pas de cette chose, elle est là, tu pars pas sans moi, je prends mon épée. Ça marche. Mais non! Mais pourquoi elle se m'équipe pas, ma putain d'arme là? Elle est équipée ou pas? Oui! On va y arriver! Courez! On voit pas mes pieds. Allez, ouvre-moi! T'as, bouge-toi le fion! Ouais, on a un peu un dragon au cul quoi, alors bouge-toi le fion! Je vais essayer d'ouvrir cette porte. On va aller. Hop là, à poil. Attends. Comment ça, je peux pas lui prendre ces trucs? Attendez, je vais... Attends, je m'équipe. Ouais. J'ai un problème de souris. J'ai une double souris, normal. Alors.
sera déjà mieux. Hein. Super. Je suis là. Bah, je sais pas. Merci d'être passé, John. Bisous. Je suis un peu une fiotte des fois. Qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on quitte Alien et vite. Ces impériaux y gardent ici. Wow, wow, wow! Aïe! Fais pas le malin! Crève maintenant! Marteau de fer, j'ai curagé, gants, peut-être s'équiper, mettre des gants, épée en fer. Elle est déjà plus violente celle-là. Non? Ça, ça, ça. Voilà. Oh là, j'ai un peu tout balancé en fait. Ah, et j'ai, par contre, j'ai enlevé mon épée comme une dinde. Ça, par contre, on va en jeter une. C'est pas d'enfer. Ça, c'est de l'épée. Du vin, des potions, tas de sel. D'abord, si on va faire de la sorcellerie, c'est bon. Potion. Bah, vas-y, mec, ouvre la porte. C'est bon, c'est fait. Par ici. Bah, oui, c'est fait. Alors, vous tombez à pic, ces garçons. Semble un peu contrarié par la façon dont je divertis leurs camarades. Vous ne savez pas ce qui se passe. Un dragon. Sympa les livres où il n'y a rien dessus. Pas d'attaquer Elgen. Dragon ? Allons, on va monter par n'importe quoi. Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. On a bien vu des clés. Essayez d'ouvrir avec quelque chose. Du premier coup. Farine d'os. Non, mais je veux bien ton or par contre. Toi aussi, je veux bien ton or. Merde, j'ai pris de la poussière d'os. Je fais un peu le charognard là quand même. Non, en fait, moi je veux pas trop y aller en fait, parce qu'il y a une grosse bébête à l'autre bout quoi. Et ça m'inspire pas forcément super confiance. Yeah!
complètement les malins. Rien qui ne m'intéresse. Je suis à la recherche de pièces en or, s'il vous plaît. Toujours bon à prendre des flèches. Ah, il est un peu mort le monsieur. C'est triste. Il est sauté. Ah ouais. Ça. Allez, on se casse. Voyons cela même. Ça pue du cul là. Merci monsieur. Putain, ils sont riches, les squelettes sont quasiment plus riches que moi quoi. Comment on fait pour s'accrocher? Il est où mon compagnon de route? Je suis allé dans la bonne direction, moi encore. Oh, il y a un bout d'esquelette là. Ça ne mène nulle part. Je crois que nous allons devoir essayer par là. Me suis pris quoi? Putain, des araignées. Ah, les salopes! C'est dégueulasse. Et puis quoi encore? J'en ai fait. Des serpents géants. Allez! Putain, il veut pas envoyer mes messages Skype. Et en fait, elle lâche quoi, elle? Du venin. Je sais pas ce que ça peut servir. Je sais pas à quoi, mais. J'ai aucune idée de que ça peut servir, mais j'en suis sûr que ça peut servir à quelque chose. Il y a des œufs. Attends, on dirait des œufs d'alien, quoi. Je fais un peu nawak là depuis tout à l'heure. Il y a un bout d'esquelette. Ouais, c'est des esquelettes. Cadavres desséchés. Et ils tombent d'où les cadavres desséchés là? Je viens de me le prendre sur la gueule. T'es où, copain? Ah, t'es là, copain. Moi, je cherche. J'ai un peu l'impression de foncer dans le temps, en fait. Je sais pas si c'est... Mais reviens là, toi. Un instant. L'éviter pour le moment. Nous pourrions peut-être passer discrètement. Allez-y doucement et attention. Mettez les pieds. Si vous vous sentez en veille, vous pouvez aussi prendre cet arc. Chut.
des squelettes partout. Ah, merci. Je crois que c'est la sortie. Je commence à douter sérieusement de ma chance. Vous devriez ôter cet équipement de sombrage. Ce n'est pas le jour idéal pour vous promener en tenue de rebelle. Ouais, je me promène tout nu, c'est ça ? Il semblerait. Faut que je me promène toute nue. Un peu longué le début quand même, hein. Attendez. Moi je m'en bats les steaks, il arrive, je me cache. Je crois qu'il est parti pour de bon. Wow. Mais inutile de s'attarder ici pour vérifier. On se casse. Ville la plus proche est Rivebois. Vous aidera. Il vaudrait sans doute mieux. Bah allez, bouge ton fion. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Pourquoi je sens que je vais pas dans la bonne direction? Eh, reviens, monsieur. Ah, il a pas eu de chatte l'autre mec, hein, parce que... Olé. En fait, il s'est fait trucider juste avant l'arrivée du... Avant l'arrivée du dragon, quoi. Pourquoi j'ai l'impression de pas aller dans la bonne direction? Non, mais je suis vraiment... Je suis pas doué, je suis pas doué, en... enfin, pour me retrouver dans les jeux vidéo, c'est... N'approchez pas davantage. Mais non. N'approchez pas davantage. Ah putain. Ah ouais non. Là. Toi. Ah ouais non mais attends. Elle est où la salope? Elle est où? T'es où, pas belle? Bah. Elle est où la grognasse? Merci. Je l'entends avec son arc, mais je la vois pas, c'est assez frustrant. Elle est là. Viens là. Je suis à poil. Ah putain de merde. Alors carte au trésor. Oui. Grenat aussi. Ça aussi. Flèche. Gantelet. Ouais, on va prendre tout. Ouais, c'est un peu le cas, ouais. Ah, il était trop bien le jeu Xena. Je me rappelle, je jouais sur play... crochet, poulet grillé. Non, flèche. Mais je suppose qu'on peut revendre après. Non? Armure de fer, casque en fer, bottes de fer, gantelet en fer. Ça, c'est fort intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait? Tenue.
maintenant, Gantley, de faire ça. Je dégage et ça. On va y arriver. PC, pentacle de fer, arc long. Je suis pas sûr que j'en ai besoin d'autant. non, je vais peut-être pas m'équiper d'un arc par contre. Une épée et je vais peut-être prendre son bouclier à elle. Merci bien l'ami. Voilà. Est-ce que tu vas m'attaquer toi? Bonjour. Le ménestrel itinérant que je suis est à votre service. Certains trouvent l'inspiration dans les lignes des livres. En allant de ville en ville. Moi je la trouve ici. Dans les grands espaces de bord de ciel. Ouais non, t'es pas intéressant. Donc il y a une route ça, ça mène toujours quelque part. Dans la logique des choses. Y'a pas une touche pour courir? Contrôle, non. Alt non plus. C'est quoi? Touche pour courir. Y'a sûrement une touche pour sprinter. Mais. Sûrement. Faudrait peut-être que je regarde avant, à gauche, pas à droite, activé, rendez gainé. Mais non! Je me souviens que t'es dans la bonne direction. Ok, cool. Sprinter, alt. Ok. Donc là. Et vous appelez ça sprinter, vous? Ah oui, bah si j'étais accroupi aussi. D'accord, ok. Donc il y a de la stamina. Ok. Ouh, c'est beau. Je suis pas sûr que ce soit super conseillé de sauter. Not cool, not cool. Vas-y, reste à ta place. Moi, ami. Putain, vous êtes pas vaillant. Putain, c'est nul. Nous avons l'air d'y être. Personne ne me croit, mais je vous l'assure, j'ai vu un dragon. Ce n'est pas vous que j'ai vu parler à Sven? Je ne sais plus. Peu importe, je vais vous montrer ce que je sais. Ah, j'ai passé. Il dit qu'il est barde. Parfois, il trouve le temps de venir faire son travail à la Syrie. Il pense que ses balades et ses sommets vont convaincre Camilla Valerius de l'épouser. Comme si elle allait accepter.
Une femme aussi belle et intelligente ne tomberait pas dans un panneau pareil. Enfin, j'espère. Des dragons maintenant. Si vous continuez ainsi, tout le monde en ville vous croira folle. C'est bien le moment de faire de l'humour. Mais ce n'est pas faux. Camilla a peut-être besoin d'un peu d'aide pour découvrir la vraie personnalité de Sven. Pourriez-vous lui apporter cette lettre et lui dire que c'est de la part de Sven? Je pense avoir parfaitement imité la médiocrité de ce nordique. Oh, comment c'est pute! Bonne journée. Ah non, mais comment c'est pute ce qu'il vient de me faire faire là? En gros, fous la merde. Est-ce qu'on peut tuer la poule? La poule? C'était pas une bonne idée l'arme dans la ville. Oh. J'ai mouru. En fait, il fallait pas tuer la poule. C'était un citoyen apparemment. Ouais, j'aime pas les poules, donc j'ai voulu la tuer. Ben voilà. Et voilà. J'ai cherché la merde. Ben ouais. Oh non. Mais non. 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 C'est... Mais c'est quoi cette malchance quoi que j'ai là? J'aurais dû sauvegarder. Ça m'apprendra. Oh mais cette malchance quoi! Sérieux! Par contre, on va s'équiper de ça. Ça fait plus mal. Viens ici, petit lapin. Pinou. Viens ici. C'est un peu naze là. J'espère que j'ai pas perdu mon or parce que je vais faire un malheur. Tu sais que c'est une putain de poule quoi. Sérieusement. C'est bien ma veine. Putain, je suis à poil. Cours. Cours. Ça sert à rien. Viens là. Eh, tu fais moi le malin que ton pote il est mort maintenant. Ah, joyeux anniversaire, joyeux tweet anniversaire, je sais pas comment on dit ça. de la peau. T'as Brigitte Bardot désapprouverait ça. C'est pas bien. Méchant type. C'est qui? Bah, c'est Warani. Ah, salut. Enfin, non, mais je veux pas le test, je suis sur Skyrim. Je suis en stream. Enfin, je te préviens, je suis en stream. D'accord. On va peut-être ranger l'arme. Bon, cette fois-ci, j'attaque pas la poule, les gens. J'ai attaqué la poule, je me suis fait trucider par les gens du village, quoi. Cool, ils m'entendent? Ouais. Bon, je vais te laisser tranquille alors. Comme tu veux. Salut Skylar. C'était mon casque. Le jarl de Blancherive, il doit être informé. Bah allez, je passe une bonne soirée tout le monde. Moi je vais dodo. Ciao ciao. Ciao, bonne nuit. Bonne nuit. Si cette elfe croit que
que c'est lui qu'elle va choisir, il se met le doigt. User disconnected from your channel. J'ai vu se faufiler jusqu'au marché de Rivebois pour lui parler quand je ne suis pas là. Il perd son temps. Vous avez peut-être raison. Camilla voit peut-être Fendal comme un simple ami. Mais pourquoi prendre le risque? Je vais vous laisser. Bon, on va aller. Par la barbe d'Ismir, vous allez mourir de froid. Advar, comment le connaissez-vous? Ah ouais, ça ne ressemble pas du tout à mon neveu. Je ne l'imagine pas en train de s'acoquiner avec des gens comme vous. S'acoquiner. Je remets la cam dans 2 secondes. Pas quand j'aurai fini. Quoi? Un dragon? À Elgen? Ça explique ce que j'ai vu. Il volait dans la vallée de Kulsi. J'espérais que mes yeux m'avaient joué un tour. Bon, déjà pour une première impression, comme enfin moi j'avais beaucoup aimé Oblivion et Morrowind, j'aime beaucoup. Un dragon. Ici en bord de ciel. Il va se mourir. D'abord la guerre, maintenant des dragons. Et on dit jamais de s'en croire. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois est sans défense. Nous devons demander au Jarl Baldrus de Blancherive d'envoyer autant de soldats que possible. Si vous pouviez... Re-Warini. Je vous en serai reconnaissant. Tiens, oui. Et si vous me fabriquiez une dague de fer? Voilà tout ce qu'il vous faut. Allez-y. Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. J'ai 80 heures. Bon, les crochets, je vais les garder. Ouais, c'est normal qu'on me voit plus. 2 secondes, les gens. Ah! Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Effectivement. Il vend pas grand chose, hein. À la prochaine fois. Il avait besoin d'aide. Ah, il s'est barré. Ah, il est revenu, mon copain. Qu'y a-t-il encore, mais... Il était aussi grand qu'une montagne aussi noire que la nuit. Il vient de survoler le terre. Les dragons, maintenant.
Prenez ce que vous voulez. Au moment que vous restez raisonnable. Si vous savez vous en servir, je n'ai pas d'objection. La meule permet d'... Si vous avez les matières premières requises, vous pouvez utiliser la force pour fabriquer un objet. Ouais. Sigrid, nous avons de la compagnie. Tant de soucis pour vous. C'est sympa, il y a des bouquins et tout. Venez, vous devez être affamés tous les deux. Asseyez-vous, je vais vous apporter quelque chose à manger. Bon, et sinon, mon garçon, Elgen a été détruit. Et comment avez-vous pu fuir? Je ne sais par où commencer. Vous savez que j'étais affecté à la garde. Quand votre ami me l'a dit, je ne l'ai pas cru. Un dragon à Elgen? Mais alors il pourrait surgir ici à... C'est moi ou j'ai volé quelque chose? Je vous écoute, Advar. Dites-moi tout. Il n'y a rien à dire de plus. Le dragon est arrivé et a tout dévasté. C'était le chaos. J'ignore s'il y a d'autres survivants. Et sans son aide, je ne serais certainement plus de ce monde. Je dois rentrer à Solitude pour raconter ce qui s'est passé. Je pensais que vous pourriez nous aider. Nourriture, matériel, toit. Bien sûr. Les amis d'Advar sont mes amis. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Prenez ce que vous voulez. Du moment que vous restez raisonnable. La famille de Gerdur est arrivée ici il y a plusieurs générations pour exploiter le bois. Od et elles font tourner la scierie. Moi, je gagne ma vie honnêtement en aiguisant des haches et en entretenant les lames. Comme je l'ai dit, je suis toujours heureux d'aider. Prenez tout ce dont vous avez besoin, mais restez raisonnable. Ouais, je leur ai volé tout leur or, j'ai quand même fait un peu la file, j'ai un peu filouté là quand même. Hein. J'ai écouté ce qu'ils me disaient. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est déjà, apprendre les crochets. Alors. Moi je prends tout moi. Ouais. Advar, vous avez vraiment vu un dragon? À quoi il ressemblait? Il avait de grandes dents? Du calme. Voilà. N'embête pas ton cousin. Faites comme chez vous, vous deux. Oh mon dieu, j'ai une robe. Je me casse. Je vous ai volé votre or maintenant. J'ai dit non. Pas d'aventure, pas de mise en scène. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais le marché... Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Alors... Nourriture, on va la garder peut-être.
cette pièce. Non, on va garder l'hydromel. Regardez ça. Ça, on va vendre. Ça, on va vendre. D'accord, zéro valeur. Ok. On va garder mes armes. Bon. Un peu de tout. Qu'est-ce qu'il vend, lui? Alors, il vend rien de... Collier de respiration aquatique. Putain, ils vendent ça cher quand même. Ça va. Ouais, donc rien de... Potion de magie. Putain, ça, ils vendent ça cher les potions de soins légers aussi. Hein. Ah, par contre, les crochets... Non, non. On va prendre 6. Ouais. Fer à repasser, lol. Potion. Non, on va voir. Vendez des sorts. On va bien avoir quelques vieux livres de sorts. Si vous en voulez davantage, il vous faudra vous rendre à l'académie de Fort d'Hiver. D'accord. Les livres. Vous me conseillez quoi? Vous me conseillez de prendre ça maintenant ou prendre ça après? Je sais pas trop, je pourrais peut-être attendre parce que je vois les niveaux. Augmente la récupération une fois mordant, inflige un souffle glacé. Ça, si tu veux faire de la magie. Oh bah si! Si! Mais peut-être pas tout de suite. Peut-être améliorer mes compétences. Satané voleur. Comme si la vie n'était pas assez dure. À tout ce dont vous avez besoin au marché de bois. Ma sœur Camilla et moi-même nous ferons un... Putain, il m'a suivi, j'ai plus le temps de tout voler. C'est daze. Il m'a grillé. Attends, moi j'ai pu voler de la bouffe. Je sais pas si je vais aller bien loin avec ça. Auberge du quoi? Nous avons des chambres et de la nourriture, de quoi boire aussi. Je cuisine. Tenez, regardez ça. Des hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. Merci. C'est dur de faire autrement. La bière n'est pas bonne et nous en... Alors, c'est vous qui fouinez? Il paraît qu'Ulfric Sombrage a échappé aux impériaux. Tu m'entends? Oui, la bière s'évente. Bon, tu n'as peut-être pas les oreilles si ensablées, finalement. Débrouille-toi pour qu'on en ait rapidement. Ouais, je me doute, ouais. Mais il m'est un petit peu pris. Prise au dépourvu. Vous laisserez pas faire. Pas faire quoi? J'ai rien fait, moi. C'est mon auberge. Il est normal que je note le passage des étrangers. Je vais aller voir. Vous ne m'échapperez pas. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Pas mal. Je
J'ai cherché la merde encore. T'as qu'à foutre la merde. Oh, c'est quoi ce délire? Ah, la salope, elle reprend sa vue. Oh non. Ah, petit souci sur PZ, 2 secondes. Attendez, il y a Mossball qui a un petit souci. Tu l'as dans la description. Est-ce qu'il y a quelqu'un de PZ là dans le coin, s'il vous plaît? Dans la description du canal staff. Est-ce qu'il y a quelqu'un de PZ dans l'eau, s'il vous plaît? Oui, non, non, oui. On va éviter d'aller voler. Mais je crois que j'espère que j'ai tout récupéré. Alors, du coup. C'est vous qui couinez. Ouais, toi. Je suis pas sûr d'avoir tout récupéré en fait. Hein. Eh non! Eh non, elle m'a tout pris, cette connasse. On peut plus voler tranquillement, c'est quoi ce pays? Donc il faut que j'aille à l'académie. On va la prendre, on va la poudlard pour apprendre la magie. Bon, bah, ça m'apprendra. J'ai mouru, c'est nul. Donc, est-ce qu'il y a une maison à visiter encore? Oh putain, une vache. On peut voler la vache? Ah. Arrêtez de me parler sur Skype, s'il vous plaît. Ça fait des bruits. Petit Mossball. Alors, je suis la maman de PZ, moi. Merde! Merde! Je vais trop fort. Putain! Apprenti. On va éviter de se faire gauler en train de... En fait, c'est juste que j'y arrive pas. Je suis malhonnête. On m'en se tire alors. Alors, des trucs dans le coin. Il n'y a pas des objets? Oh, t'as des compétences aussi à placer. J'ai toutes les aides qui se réveillent là. Coucou, c'est moi. Désolée. Obligée de répondre. Non. Non, peut-être pas t'en prendre au panneau, c'est pas ce que je voulais. Y'a pas une map? Sérieusement?
C'était... D'accord. Blanche Rive. Ouais, d'accord. En fait, faut que je traverse tout ça. Adressez-vous. Ça, c'est quoi? Voilà. Ok, super. Donc, Rive Bois. Il faut que j'aille tout droit, en fait. Ok. Mais où? Sur mon téléphone. Les mecs de PZ qui me parlent sur mon téléphone. Enfin, sur mon téléphone, sur Skype et sur... par SMS. Y'a des loups. T'es où? T'es où le loup? Là. Coucou, je panier. Je l'ai... Je l'ai un peu tranché, le loup. Ah, y'a un village en face. Et peut-être Muzzball qui va me rejoindre, je sais pas. Putain, il veut pas viendre, le Québécois. Je vais t'obliger de t'insulter, Moss, hein. Si jamais tu me regardes, hein. En plus, toi, tu connais bien Skyrim. T'abuses de me lâcher. C'est un peu notre spécialiste Bethesda, Moss Ball. Et Retro aussi. Ah Moss? Yes. Attendez, ah, je suis obligé de vérifier. Ceci, c'est Moss. Ah Skype. Oui, c'est Moss. Attends, je te donne des droits. Je t'ai pas insulté, Moss. Pas encore. Et notre spécialiste est venu à ma rescousse. Il sait que j'ai pas joué à Skyrim. Ah non, Moss, me parle pas. Cette comique, c'est le Québécois. Attends, Moss. Non, Moss, putain, je vais te tuer. Arrête. Push to talk marche pas. Attends, oui. D'accord, ok. C'est... T'es magique, Moss. T'y arrives? Oui, il faut que je te fasse... Est-ce que... Oui, c'est bon, je t'entends. Tabarnak. Tu vas bien? Mon push to talk marche pas for no reason. Bah, t'es tout seul, c'est pas grave. Voyez, il y a Moss qui vient d'arriver. C'était quoi ça? Il y a un gros monsieur. Oh putain, c'est quoi ce machin? Bon allez, il y a un gros machin, pas tr... ah, très moche. Ah ben, je voulais attends, vous aider les gars. Il y a un gros machin qui vient d'arriver, tu parles de moi là? Voilà une bonne chose. Non, je parle de... Oh putain! Je l'ai cosplayé elle. Je l'ai cosplayé la nana de... Ben, elle a un personnage de Skyrim, la chasseuse, que tu rencontres, elle est là. Je l'ai cosplayé, le cosplay quelque part, j'ai même le cosplay de Xena la guerrière, les gars. Encore, qui traîne quelque part. Enfin, on va, que je vais récupérer bientôt. Arrête de m'exciter. Mais j'ai des boobs pour faire Ayla en plus. No shit. T'as des boobs, no shit. No shit, ça va, Moss? Ouais, ça va. Grosse marde de changer d'ordi, mais ça va. C'est quoi? Ah, t'as essayé, t'as ton nouvel ordi? Ben, c'est le même, mais j'ai comme... Mais en fait, j'ai changé la carte graphique, j'ai rajouté une carte de capture vidéo, et puis j'ai changé tous les disques durs. Ce qui fait que c'est pas mal un nouvel ordi. D'accord. Bon, moi, t'es tranquille, tu vas pouvoir leur faire un... Un spécial oui, Fallout 4! C'est tellement de la merde! Que ah là, ouais? Ça veut dire que j'ai plus rien! Faut tout que je reconnecte! Skype! Ah, mais je te filerai la main! Split, Internet, Steam! Et tout, j'ai tout perdu!
Bah, je te filerai main, je te filerai ce que t'as acheté à trophier pour. Aïe! Ah! Pour PZ! Je me suis fracassé la main sur mon clavier! Non, j'ai tout ce qu'il faut, non? Il y a le mail. Il y a le mail de Guillaume, fais-moi la liste de ce que t'as besoin. Salut Francis! Salut Picha! Salut, salut Flamby! Pourquoi salut la. Salut Sick! D'accord. T'as vu comme une gothique, c'est sexy. Non, je suis. C'est libre, non, je suis pas célibe, non! Je suis bien sexy, j'ai des écharpes et tout. Qu'est-ce qu'ils disent les mecs? Ils ont craqué. Salut Francis, mec. Tu vas dans le cimetière, ça. Ouais, tous les soirs. Je vais manger des bébés, j'égorge des chèvres et tout. Mais tu vois, tout le monde trouve ça dommage. 1-0-6. Bonne question. Ça se mérite. Chier, j'avais tout réordonné mes favoris. Je recommence, puis je suis paresseux. À la prochaine fois. Attends, pense quoi des chats? J'aime pas les chats, moi je préfère les chiens. Oh putain de merde. T'as pu voir mes lives sur. Non, c'est pas moi qui est québécois, c'est Mossball. Oh shit. Que t'as pu voir mes lives sur. Eh hey, Francis, dépasse pas les bornes, hein. Non plus. Cassette cette radio. Et bim, allez, un time out. Attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as pu ou t'as pas pu? Attends. Attends 30 secondes. Oui, j'attends 30 secondes. Je sais pas, pas si tu vas sur le Twitch là. J'attends, là, la pub. Même pas connecté sur. J'ai perdu toutes mes favoris, toutes. Je suis même pas connecté sur Twitch. Saga, je te mets Modo, s'il te plaît. Attends, hop. Hey, j'ai un de tes amis qui est venu me voir sur le stream l'autre jour. Sérieux? Ouais, mais il a dit que c'était toi qui l'avais envoyé, puis il était motivé. Ah merde. Il l'a même donné. Oh, mais je suis modo, c'est vrai! J'avais oublié. Faites gaffe, les gars, je suis modo sur la chaîne. Tu sais, la nana, c'est sa chaîne Twitch, elle a pas les pas modo, tu sais. Le boulet. Non, mais n'importe quoi. Y'a pas Marc dans les parages, tu peux regarder sur le la partie staff s'il te plaît? Pas moi? Ouais, s'il te plaît. Où ça? Attends. Je comprends pas ce que tu veux. Bah, c'est un peu ma chaîne aussi, les gars. C'est pas comme si PlayerZone n'était pas à moi. C'est un peu mon site. C'est pas ce que tu dis là, PlayerZone c'est pas à toi, par tout. Dis pas d'Elsage. Ce n'est pas une erreur. Quoi? Ils ont craqué les cibles. Ouais, en passant, je te l'avais dit, mon live, mon dernier live, j'ai pu live sur la chaîne. Fait que si tu veux la redire, faut que tu me la demandes. Ah ouais, tu me l'avais dit. Parce que je l'ai enregistré, mais vu que je l'ai live sur ma chaîne à moi et partagé sur PZ, ben il n'y a pas la redire sur PZ. D'ailleurs, t'as pu regarder. Attends. Là, il y a un ban. Hop. Désolé, les gars. Manquait ça, j'étais en train de me connecter sur Twitch. Ah, c'est bon, je l'ai banni, les gars, vous inquiétez pas. C'est ni la première ni la dernière fois que je tomberai sur ce genre de cas, les filles dans le jeu vidéo. N'est-ce pas? Yes. Ok. Pas toi, hein? Ah, attends, je fais venir Guillaume. Twitter qui veut pas se connecter. T'as entendu? Je fais venir Guillaume pour modérer. Ouais. Guillaume? Non, mais je fais venir Guillaume pour modérer. Ah.
T'es vite les vêtements. Ouais, j'ai l'air guillemot. Donc là, il va falloir que je fasse attention à ce que je dis, c'est ça? Attends. Je suis en train de lui foutre la rage. Ouais. Bon, enfin, hostie de tabarnak. De calice et d'hostie et de ciboire. Ça te donne une idée. Là, je suis un... Est-ce qu'il va avoir un monde 3? Telle est la question. Je vous laisse parler, les gars. Ah, vraiment, vous avez des choses très intéressantes à dire. Cool live. Ah, t'as vu? Heureux. T'as vu le chat du live? Non, pourquoi? Je suis en train de me faire insulter. Ah, le Francis. Ouais, y'a pas que lui. Je touche à toutes les bannies. Alors, c'est... j'ai mon petit doute sur ce qui se sur le genre de personnes ou d'où elles viennent. Hein. Oh shit! Donc, ça va être vite réglé cette histoire. Ouais. Ouais, ça se calme. Je peux continuer à jouer? Merci. Ah non mais c'est ça, nouveau. La photo que je t'ai linkée? Non j'ai pas vu. Sur Facebook? Ah non. Ah quoi le whisky coca? Non mais ça. Moi j'ai retenu. Moi j'ai retenu que ça. Avec ça serait pas pire pour les réunions ça. Ah pas que pour les réunions. Ok, avoue que ça serait pas pire en général. Ouais, en général, IRL quoi. Je mettrais mana et PV. Mana et soin, tu vois. Non, c'est oula, pas ton commentaire sur ma photo de moi il y a, waouh, il y a comme. 4 ans? 5 ans? Oui, j'ai vu. Ta mère aussi, elle en a balancé une. C'est pas bon d'avoir ta mère dans mes familles, amis. Hein. Un jour, elle va sortir une photo de toi en couche culotte, je vais bien prendre la poire. Il y en a des. Mais. Voyons, qu'est-ce que j'étais pour dire? Ouais, je t'ai linké une photo de moi il y a 8 ans. Ouais, je regarderai. Je crois. Mon premier concert. Ah, oui, Good Charlotte, je l'ai vu, ouais. Oui, c'est mon premier concert à vie. J'étais tellement fier. T'inquiète pas, Saga, hein. J'ai l'habitude de ce genre d'énergie maintenant. C'est ni la première ni la dernière fois que ça m'arrivera. Hein. Faut ça, c'est passé, moi. Mon balistique. D'accord, bad. Voilà, au bout d'un moment, je laisse un petit peu s'amuser, tu vois, je laisse un petit peu s'exciter. Se frétiller la nuit, là. Et puis après, je bad, hein. Écoute, hein, c'est. Ouais. Mais moi aussi, ça m'est arrivé de pogner, ben c'était pas le même type, là, mais de pogner un troll sur... Dans ce temps-là, par exemple, j'étais pas pour... J'étais pour... Voilà, tu comprends? Ouais. Non, mais ouais. Je crois que je tourne en rond, en fait, depuis tout à l'heure, en fait. C'est ça, le truc. C'est que je trouve pas l'entrée du truc. T'as vu le nombre de fois où j'ai dit « truc » dans la même phrase, quand même? Attends, c'est la ville principale, puis tu trouves pas la porte, genre. Ouais, genre c'est la ville principale. Ah, pourquoi tu regardes l'œil? Ah, oh, putain, comment tu te fous de ma gueule, s'il te plaît? Oui, je me fous carrément de ta gueule. C'est toi le spécialiste Bethesda, tu devrais être mon guide. Mon tu vois, mon maître Jedi, je suis ton padawan pour une fois. Putain, là je te donne du pouvoir, la connard. Putain, moi sans maître Jedi. Ouais, c'est pour ça, je viens de lui donner, je viens de lui donner ma vie entre ses mains, là. Non, mais ça. Mais là, j'hésite entre te dire où aller ou te regarder galérer. Bummer Online! Y'a Guillaume qui est là!
Non, mais ces mecs-là, il faut les laisser parler, tu vois, comme ça, ils se frétillent la nouille. Et puis après, voilà. Mais il y en a encore un. Ben non, mais il y en a encore un, il s'est calmé. C'est bon. On a insulté les viewers et tout. Ouais, non, mais c'est fait. Surtout que je... C'était Norton qui était là. Non, ah, putain, je suis nul. Whatever. C'était quelqu'un. Voilà. Ah, non. Je me suis même plus c'était qui était là. Fail. Ah, c'était, je vais m'en rappeler, c'était, Buck, c'était qui était là tout le temps, là, avec Norton, Bah, ça m'a saoulé, j'ai pas envie de voir le gars. Putain, mais, je suis nul. Ouais, j'arrive. Je sais. Non, mais tu vois, tu pourrais être le genre de personne qui me dirait, mais non, Tibule bon, et tout, regarde. C'est pas... C'est très facile de picklock, faut juste que t'ailles la technique. Est-ce que tu te rappelles Fallout? J'ai le même problème. C'est tous les jeux où il faut crocheter des trucs. Bah, c'est la grosse misère pour moi. Dans Fallout, il y a un bon truc. C'est tu fais tout le temps avec une seule barre pépine. Puis, à chaque, tu saves juste avant pour... de... Je suis pour... Ça, c'est le truc de vraiment de abuseur de vie. T'en vas juste là. Actionnes... C'est pas par là. Hein. Tu actionnes... Merci. Là, t'essayes. Si ça marche pas, ben tu reloads. Tu réessayes jusqu'à ce que tu réussisses. Sauf que ça marche pas dans celui-là parce qu'il y a des niveaux de lockpick. Alors que dans les autres, oui, il y en avait aussi. Sauf qu'il t'empêchait pas de débarrer les portes que t'avais pas le niveau de débarrer en fait. Mais là, t'as vu, c'est une série novice quand même. Je suis honnête avec moi-même. J'ai envie de dire, c'est normal quelque part. Pourquoi? Vas-y, crash ton venin. Non, c'est super mal dit ça. Parce que c'est pas bonne. Bon, premièrement, quand mettons que tu manques de sens de l'orientation, comme t'as l'air, ok? Ouais. C'est pas que j'ai l'air, j'ai sur la route. Mais je la vois pas la route. Assis en bas. Ah. On me déconcentre en même temps. Je vais pas balancer. Je reçois des SMS. Comment je rejette la faute. Le pire, c'est que moi aussi, je pourrais te déconcentrer en t'envoyant des SMS. Ah ah, j'ai ton numéro. Ah oui, c'est vrai. T'as-tu changé de numéro ou t'as toujours le même? Non, j'ai plus le même, boss. Merde. Non, je viens de changer. Bunny Saga. Désolé pour ces perturbateurs. C'est triste d'avoir encore ce genre d'individu sur Twitch. Je pensais que... Qu'est-ce que tu veux, ça aille. Non, mais je pensais que ça y en avait de moins en moins, mais finalement, en fait, je m'étais trompé, tout simplement. Il y en a de moins en moins, c'est juste ce qu'on voit, en fait. Voilà, c'est tout, c'est juste que... Enfin, voilà, quoi, c'est dommage. Parce que ça peut casser l'ambiance, ça refroidit le stream en 2-2, quoi. Parce que bon... Non, mais c'est des merdes. Ouais, non, je sais, mais... Mais c'est pas forcément super. C'est jamais agréable c'est jamais agréable à entendre ce genre de choses. Non, ça c'est sûr. Donc putain, j'ai encore sorti de la route, j'écoute rien moi. C'est le fun de juste tu pop t'ouvres ton ordinateur que t'as pas eu depuis 2 semaines, puis là t'arrives là, oh j'ai gagné 2 sous en octobre. Non mais parle de ma chaîne YouTube. Hein. J'avais gagné 2 sous dans la vraie vie, je serais en train de galérer comme le tabarnak. Et je crois qu'il y a un truc devant moi. Putain, faut que j'arrête de faire du hors-piste. Non mais ça c'est mon problème, vous regardez The Witcher. Mais, tu m'écoutes même pas quand mais non, mais j'essaie de trouver l'entrée de la ville. Ah oh, tabarnak. Mais je suis en galère. Je t'ai dit, je suis perdu. Non, arrête, maudit browser de merde, je veux rester sur le live. Ah putain, je crois que tu me parlais à moi. Tu sais, il commence à parler en québécois, là, y a... Non, mais c'est... Dès que tu commences à parler un peu trop québécois, ben, que je comprends rien, ça veut dire que tu es en train de t'énerver. Bah ben, oui, effectivement. Dès qu'il y a des mots un peu reconnus. Ah, j'en reconnais certains à force, mais des fois... Ouais, c'est comme toi quand je sentais des mots bizarres aussi. Du en patois
Un passage du sud. Elle... Marc, il sait de quoi je oui. parle. Oui, sauf qu'elle c'est celle qui me comprend en fait. J'ai grandi toute ma vie avec un peu des Suisses et des Français. Il y a énormément d'expressions que je reconnais quand même. Bah, j'ai un gros problème, Os. Mais vraiment un méga gros problème. Je trouve pas l'entrée de cette putain de ville. Oh, regarde. Ah, il me veut quoi, lui? Qu'est-ce que tu me veux? Prenez ceci et gardez-le moi. Je reviendrai sur ok, regarde là. Il y a un mec. Je vais le tuer. Avance tout droit. Je sais pas de combien le décalage là, mais. Attends. Il y a un monsieur qui vient de m'arrêter. Non, c'est. Tu veux me tuer? D'accord. T'amuses pas? Ok, là, tu viens de commencer à y parler pour moi. Ah. Le décalage de combien de temps? Bon, j'en sais rien, au moins on vient bonne 20 secondes. Bon. 20 secondes, tranquille. C'est quoi ça? Bon, ok, continue tout droit. Bah, je continue tout droit. Putain! Y'a un. Bah, tout droit, je peux pas faire trop tout droit quand même. Bah, oui. Moi, je suis du genre à me pitcher en bas des falaises. Putain, il fait moche, hein. Pas à gauche d'abord. Hein. Bah, gauche? Ah oui! Ouais, je te disais continuer tout droit, mais tout, le tout droit est rendu à gauche. Oh, y'a un chemin, là? Moi, je le balance! Il ne m'échappera pas. Hein? J'ai balancé le fugitif! Oh, ok, là, tu. Oh, ah, ok, ouais. Le chemin sur lequel t'es. Ouais. Ben, continue à avancer dans la direction que t'étais avant de parler au gars. Faut que je retourne en arrière. Dans la montagne, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai redescendu déjà. Oh, vous assistez. Il y a vraiment un trop gros lag, c'est fou. Oh, vous assistez là à un exemple de tibulerie, on va dire ça, qu'on va appeler ça comme ça. Ah, il y a des feux qui t'ont attaqué? Non! Non, c'est une autre, c'est la version numéro 38, celle-là. C'est être perturbé et perdre son chemin dans un jeu. Alors qu'il y a une carte. Ouais, ça c'est vraiment exceptionnel. Bon, regarde, tu vois la façon que la ville est construite, tu vois le château en haut? Ouais. La ville est construite en montagne. Ce qui veut dire que la porte est en bas de la montagne. Ce qui veut dire qu'elle est exactement à l'opposé du château. La ville est faite en longueur. Ah, déplacement. En fait, elles sont aux écuries, donc du coup. Ouais, dans ce coin-là. Regarde. T'as le. En dessous le cheval. Elle est dans ce coin-là, la porte. Elle est exactement là, la porte. Putain, je me suis fait chier pour rien. En plus, il y a l'autre, il va vouloir me tuer maintenant que je l'ai balancé. bon. Déplacement rapide. C'est magique ça, le déplacement rapide. Ça a été une belle invention dans le jeu vidéo quand t'es feignant. Oh, ça tue un certain aspect du jeu, par exemple. Ouais, non, mais quand t'es feignant. Quand t'es en stream comme ça que tu tournes en rond. Je suis le chef de la fainéantise. Ça, c'est chez qui? Non, c'est putain, elle fout. Ouais, en fait, là, elles sont. Il te manque un. Ah, bah, elles sont là, les portes, je crois. Il va te manquer, bien sûr, le grand classique, les mods. Mais oui, justement, je pensais faire un truc avec les mods, justement, que ça pouvait être sympathique. Et Là, je les ai plus, mais j'avais tellement de mods sur Skyrim qu'un, il marchait plus. Deuxièmement, j'ai trouvé la porte, les gens. Un logiciel à part, externe, mm-hmm. qui est un gestionnaire de mods. Tellement que j'avais de mods. La ville est fermée à cause des True story. Il y en a un que j'utilise pas parce que ça fait bugger le jeu, mais qui est super. No load. Toutes les villes sont préloadées dans le monde. Le gros problème avec ça, c'est que là, les dragons, ils se mettent à attaquer les gens dans les villes. Et par contre, tu peux ouvrir la porte des villes, tu rentres dans les villes, il n'y a aucun loading à nulle part. D'accord. Ouais, non, mais il y a des trucs qui font... Enfin, je peux rentrer? Il me reste rentré. Ok. Oui, tu peux rentrer. Oh, j'aime bien l'ambiance.
Attends, est-ce que t'as déjà joué à Skyrim? Mais non, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai jamais dit. Tu comprends mieux maintenant? Merde. Moi, je me suis arrêté à Oblivion. Mais comment c'est possible? Ben en fait, ce que j'expliquais, quand il est sorti Skyrim, ben moi j'avais un emploi du temps super chargé, puis j'avais pas de PC, j'avais qu'une PS3 à ce moment-là. J'avais plus de PC qui faisait tourner les jeux. Et j'étais entre la fac et à l'époque, des heures de fac à par-dessus la tête. Je vais mettre un cache, je reviens. Et j'avais des heures de travail par-dessus la tête, donc je suis vraiment passé à côté quoi. Une excuse. Ah bah excuse-moi, hein, je faisais 6h du matin, je descendais à la fac à Aix-en-Provence, après, tu sais, c'est juste avant Marseille. Pas une excuse. D'Avignon là, là, non, parce que je passais par les Alpes, donc je passais par Manosque, parce que ça allait plus vite, donc je me tapais des routes sinueuses. Dans tous les cas, je me tapais une route sinueuse, hein, que je passe par le Luberon ou par là. Et après, j'arrivais à la fac, c'était 8h30, j'avais des cours jusqu'à 4. Bon, des fois j'avais pas d'après-midi de cours, mais je remontais pour 6h30, tout le temps. Et à 6h30, ben, je me changeais de voiture, et à 45, j'allais bosser jusqu'à 23h. Et c'était tous les jours comme ça, et j'avais que le mercredi de repos. Et le week-end pour la fac. Mais après, le week-end, je faisais un peu la fête. J'ai profité, pendant mes années de fac. J'ai profité 2 ans, quand même. Mais là, il y a un chandail, une veste, en fait, que j'aimerais bien m'acheter. C'est une veste du groupe Hellstorm. Tu quoi, Hellstorm, avec un H ou un A? Avec un A, avec un A. Ouais. Dans le dos, il est marqué... marqué Get Drunk, quelque chose. J'adore Hellstorm. Ouais, c'est payé pas mal comme vous. This is a crime and crime doesn't pay and we go home poor at the end of the day. Et je chante très mal. Mais bon. Putain, mais en fait, je suis en robe. Ah. Mais tu sais, le point, c'est que je m'en fous. Je chante mal. Donc, voilà. Ah, voilà, y est le short. C'est get drunk or die. Tu sais ce qu'on aurait dû faire? Hein? Tu sais ce qu'on aurait dû faire quand t'étais chez moi? Hein? Doute. On aurait dû se faire un SingStar. Oh, aussi! En plus, t'as un Xperia, moi aussi. Ils peuvent servir de micro sur la PS4. Ah ouais, ouais, ouais. Et je l'ai. Merde! Et je l'ai, SingStar. J'ai le dernier SingStar sur PS4. On aurait fait ça en live, mais franchement, on se fait ça un jour et on se fait genre Guitar Hero, Ross Smith, mais tu sais le truc à l'ancienne. Ouais, quand, si moi, tu reviens en France, c'est le prochaine fois que tu reviens en France. Ouais, hey, non, mais je viens d'avoir vraiment l'idée de merde. On se parle sur Skype, mais tu me mets sur le speaker de ton ordi puis tu rapproches le micro du speaker de ton ordi. Ah non, il faut que tu sois là, comme ça on met la cam et tout. Ouais, mais c'est tellement l'idée foireuse là. Ouais, oui, parce que tu... distance. Yeah! Ouais, c'est un peu chaud. Tellement mon genre d'idée. Hey, Moss, faudrait que tu viennes avec nous quand on fait des soirées sur Killing Floor. Bien, on est bien. Oui, oh putain. Tu m'en as déjà parlé, qu'il fallait qu'on vienne. Parce qu'on l'a, on l'a sur le compte PZ. Presque autant que Non, ça va, j'ai 500 pièces d'or, je me les garde, radine que je suis. Ah, bonjour, brave Nordique. Pourquoi ce nom? Ça m'intrigue. Oui, on voit plus ta caméra. Normal. C'est mon frère Anoria. Ah, ok. Et moi qui l'avons inventé un soir. Mais. J'ai perdu mon téléphone. Bien trop d'hydromel. Ouais, après, dès que tu finis ton stream, essaye de m'envoyer au moins les connexions de Steam, parce que sinon je pourrais pas downloader. Oui, t'inquiète. Et ouais, en plus, t'as Fallout. Pour le live de demain. Ah ouais, putain, ouais, je te le file, bah, après le stream. Oh ouais. Savions que nous tenions là. Et c'est fou, le demain, je vais essayer. J'ai eu mon ordi hier, je suis même pas encore seté au complet. Puis il faut que demain j'utilise ma carte que je sais pas comment qu'elle marche pour la première fois. Ah d'accord, ouais, tu vas faire des tests demain. Ben, demain toute la journée, c'est ça que je vais faire. Tu l'as payé? Non. Merde.
Je vais faire ça probablement en me saoulant, à chaque vendredi, je me saoule. Ouais, parce que samedi on fait PID en live avec Baby Bull. Baby Bull qui est rédacteur aussi sur PZ. Et Ah, attends, non. Non! Pourquoi j'ai vendu ça? Ah putain, quel con! Ah non, j'ai pas cette pièce, pas ça. Non, moi, putain, j'ai vendu ma cuirasse! Non, mais je dis que t'es con, effectivement. Putain, non! Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que je peux dire n'importe quoi, puis le monde, le pire, c'est qu'ils peuvent me croire, étant donné que vu que je suis allé chez toi, je suis oui, tu es un homme. Là, le monde sont là, il est allé. Ah, oh, comment il m'a. Je me suis fait escroquer! Je me suis fait escroquer, mais vraiment quoi! Parce que le truc que j'ai vendu, il me le revend 1000. Il me le revend, je l'ai vendu, j'ai pas beaucoup, il me le revend 1128 or, s'il te plaît. Comment je me suis fait dedans? Je vais être poli. Ah, comment je suis blasé! Oh, ça c'est très cool! Ah, comment je me sens con! Là, mon explique. C'était un plaisir de faire appel. Il capte ma EverMedia HD comme étant vraiment comme étant une source que je peux mettre dans mon. Il y a des gens. Oh, je leur pique leur or. Chut! Attends! Chut! Il y a des chaussures. Pardon, monsieur. J'ai rien volé. Je me casse. J'ai piqué l'or, en tout cas. Ça y est, c'est bon. J'ai rien fait. Y'a pas une auberge, un truc comme ça? Non! Putain, pas devant les gardes, voyons. Épicerie. Je vous connais. Ah bon? Attendez. Je vous connais. Tu me connais d'où? Il n'y a pas d'erreur. Toujours, c'est la grosse question que j'ai. Ah non! Mais je te connais. Hein? Cherche, il m'a reconnu? Je connais. Vous savez quoi? Vous n'en valez même pas la peine. Partez! Je vous laisse aux autres gardes. Il m'a reconnu? La jument pavoisée. Ils ont des noms, les trucs. C'est bien particulier. Si vous voulez quoi que ce soit, je suis merveilleux. Je dois avoir une shop propre quelque part. J'aime beaucoup ce travail. Pas de problème, elle est à vous. Bon, j'ai une chambre. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Est-ce qu'elle a des trucs plus... Parce que j'ai... En fait... Ah putain, elle a que de la nourriture. Pff, tu sers à rien, madame. Tenez, regardez ça. Les hommes du Yarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. Merci. Je vais vous montrer votre chambre. Allez. Il y a un porno, il y a Kotaku qui a montré des gifs douteux d'un porno de de Skyrim. C'est la fois qu'on est rendu sur un porno. Je crois que je te l'avais montré. Ah, vas-y, c'est difficile de montrer quelque chose que j'ai pas vu. Putain, je peux voler le pot, quoi. Tu peux tout voler. T'as même pas capté. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Allez, tire-toi de ma chambre. Casse-toi. Comment ça se fait que t'as même pas réagi à ce que je viens de dire? Parce que j'ai pas écouté. On a les mains baladées. J'ai dit, c'est difficile de me montrer quelque chose que j'ai jamais vu avant dans ce domaine-là. Elle est morte. Merde! Avec mon épée, j'ai fait valser. C'est joli comme tout. Voilà, je suis assise. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est j'ai trouvé le code pour mettre toutes les magies dans le jeu. Vous voulez un verre? Ça l'a donné. Vous avez faim ou soif? J'avais accès à toutes les magies, effectivement. Mais, trouver une magie, des bugs. Allez, je vais me saouler la gueule. Ouais. Je vais me saouler la gueule. Ah. Bref, j'ai trouvé une magie des bugs. Donc, une magie qui est pas. Qui
pas censé être utilisé dans Skyrim. Et fucking drôle, c'est une magie de feu que tu casses, une boule de feu que tu lances. Regen 0.5 secondes. Fait du dommage upon impact. Fait du dommage overtime. Fait du dommage de brûlure overtime. Et coûte zéro magie. J'ai fait quoi là? Possibilité de le mettre dans les deux mains. Fait du AOE à dommage. Non, ça, c'est pas... Putain, mais y'a les soldats qui me cherchent. Approchez doucement ou vous goûterez à la justice du Yarl. Mais le problème, c'est que quand tu tues cette magie-là, ben tu tues qui est autour de toi. Que ce soit des amis ou des ennemis. Pas bête, mais suivez-nous. Qu'est-ce que tu fais? Nous garderons tous les objets que vous avez volés, et vous pourrez partir. Après avoir payé votre libération, bien sûr. Les bâtards! Je me suis fait racketter! En fait, on est où, là? Je suis où? Quoi? Je regarde plus, faut que je... Ah putain, mais je suis dans la ville encore. Putain, je trouve elle est grande en fait. Oui, mais il faut pas tant que ça quand tu la connais, mais le but c'était d'aller voir le chef en haut. Là. Tu montes. Ouais, mais bon. Je me suis fait gauler pour vol. Oui. Eh oui, c'est embêtant. Ah, il faut aller voir le château là-haut, mais j'en viens. Ils viennent de me faire dégager. C'est une nouille. Ah, c'est... non, j'ai rien dit. C'est ce que j'ai pas réfléchi. Non, j'ai juste pas réfléchi encore. Comme d'hab. T'as pas réfléchi encore. Ouais. Je suis un peu blonde en fait, t'as vu? Tellement que je fais gothique. Comment ils m'ont sorti. Ils m'ont sorti sur le chat que j'étais gothique. Ah oui, ça se marche là. Gothique et toi là, c'est probablement dans la même. Ah ouais, t'es gothique, tu écoutes la musique des sauvages là. Mais c'est pas, je suis pas gothique, c'est pas la même mentalité du tout. Je m'habille en or parce que. Je vais te l'avouer, Bouzilla, on le sait tous. Hein. Ah Bouzilla, enfoiré. Non, je suis pas. Non, gothique, c'est pas la masse. Demande à Moss. Les métalleux et les gothiques, on écoute pas vraiment la même musique et on est pas pareil. On apprécie certaines musiques qui sont similaires. On apprécie certaines choses. Comme Nightwish, qui est chez les gothiques très, très répandu. Ça reste du métal, mais du métal symphonique. Mais moi, j'écoute pas ça, moi. Moi, j'écoute des trucs de bourrin. Y'a rien de mieux que le métal symphonique. Non, y'a rien de mieux que le truc bourrin. Ben je dis ça, mais en même temps j'écoute du Amaranth, j'écoute du Hailstorm, Raise Again. Rien de mieux que tout sauf le métal. Rammstein. T'as Rammstein, il passe au Hellfest cette année. Oui. Ça. Fait chier. Le Heavy Montréal, il y a tellement un line-up de fou cette année. Attends, je vais te lire ça, c'est débile mental. C'est débile mental. Mental, tabarnak, c'est mental. Mais j'ai compris, débile mental. Tu prends pour une idiote ou quoi? Écoute ça, ok? Oui, mais j'avais compris. Badfinger Death Punch, Disturb, Nightwish, Volbeast, Mastodon, Killswitch Engage, Breaking Benjamin, Black Label Society. Ah, Breaking putain. Ball, c'est pas mal. Black Label Society, je te déteste. Black Wild. Black je te déteste encore plus. Outer Bridge, The Sprite Icon. Ah, y'en a quelques-uns qui sont au Hellfest. Hein. Carcass, Cataclysm. Cataclysm, c'est un groupe de métal québécois.
Je connais. Il chante en français, c'est super bon. Je connais Cataclysm. Fear Factor. Fear Factory? Ouais. Non. C'est un de mes groupes préférés. Animal as Leader. Attila. Memphis Mayfire. Memphis Mayfire. J'ai tellement de la misère. Beartooth, Suffocation, Biohazard, Repulsion, Santa Sonia, We Came As Roman, non, mais c'est eux? Inquisition, à cause d'eux? C'est à cause d'eux? Escape the Fate. Ah ouais. C'est à cause d'un groupe de métal, tu dois les tester encore plus maintenant. Du moins, c'est l'explication officielle, donc j'imagine que c'est eux, je pense qu'il y en a deux quoi. Mentor. Ah, les casse-couilles de service, voilà, ouais, il faut cette musique de sauvage, indiquer la vie des gens, des développeurs qui sont galérés à trouver un nom là. Enfin, à Resident Evil, ça porte bien son nom aussi. Genre, c'est ma feuille, tu sais. Mais c'est trop fou là, le line-up cette année. Oui, le line est bon. Ça faisait longtemps que j'y allais plus, mais. Qui va cette année du coup? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes. Non mais c'est une pierre de dragon censée contenir c'est juste de dragon. Les 6 premiers les 7 8 9 premiers genre c'est t'as Five Finger Death Punch, Disturbed, Nightwish, Volbeat, Mastodon, Killswitch Engage, Breaking Benjamin, Black Label Society, Ghost. C'est comme what? Non mais il y a Zach Whale dedans. Ouais. Vous voulez sans doute savoir comment vous y rendre. C'est d'ailleurs que Breaking Benjamin, ils ont signé une musique de l'OST de Halo 2. Ah bon? Je suis ouais. Une fois là-bas, les habitants vous la seconde de l'album. Vous voulez que je vous dise un truc? Le mec, depuis tout à l'heure, je lui pose des questions, mais je l'ai même pas écouté. Comment dire? D'abord. Il faut bien préserver certains secrets professionnels, non? J'ai mes sources et elles sont sûres. Bon, ta gueule, il m'a saoulé. Partez vite pour le tertre des chutes tourmentées. Le Jarl n'est pas du genre patient. Et moi non plus d'ailleurs. Et puis toutes les. Toute la line-up que je viens de te donner, c'est juste les gros noms là. Les petits noms sont pas sortis encore. Ouais, c'est comme le Hellfest, ils dévoilaient un. Les trucs. Ils sont DLC ou quoi? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tu les diffuses petit à petit, c'est pour faire monter la pression, ils ont raison. J'ai emprunté ces techniques à Splatoon. Vous avez l'air éreinté. La juve n'a pas poisonné. Splatoon 9,5/10, hein, n'oublions pas. C'est vrai, j'avais oublié, il y a des lutteurs maintenant au AVMTL. Vous allez bien, j'espère. Ouais, ça va et toi? Bon, faut que je fasse quoi maintenant? Bah, je suis pas dans la bonne direction déjà, ça commence bien. Touche la nouille. Bah, touche-toi la nouille tout seul, hein. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai envie de te dire trop tard. Ouais, je veux bien être mercenaire, moi. Quand je tiens ma fille dans mes bras, je sais que je fais le bon choix. Est-ce qu'il peut m'apprendre des choses? Tu peux vous apprendre quelques petites choses. Je veux dire, c'est qui peut t'apprendre des choses? 260 pièces, mais c'est des fous. Vas-y. Non, mais ça va, ouais. Je vais pas me faire escroquer. Attends, j'ai failli dire un truc pas bien. Comment tu peux dire quelque chose de pas bien quand... J'ai failli sortir une blague douteuse. Hein? J'ai failli sortir une blague douteuse. T'en fous de ça, il faut? Non, je mais l'ai c'est... dit, la première religion, la première... le premier commandement... Non, mais non, il y a des trucs qui se sortent... Il y a des trucs qui se disent... Putain, la j'ai... Le premier commandement de la religion de Mott à laquelle t'as été la première à adhérer, le premier, c'est tu ne dois jamais te censurer toi-même. Premier commandement. Le premier commandement de la religion de Mott. Et il se prend pour un dieu. Et wow, c'est pas moi qui me prends pour un dieu, c'est tout le monde qui a commencé à me prendre pour un dieu. Pas facile à vivre, hein. Je connais. Putain, ça, les gars, quoi. T'as, entre ça et les grosses bites sur le site. Moi, je me sens interpellé. Ah bah ça va avec, hein, c'est un kit, hein. On t'écoute. Vous êtes des master race humains, quoi.
Bah, à vrai dire, je pense. L'humain a été forgé à partir de mon modèle, quoi. À partir de moi, quoi. Pourquoi il se bat encore, lui ? Attends, viens, copain, qu'est-ce qui se passe ? Je peux t'aider ? Comme ça, tu me. Tu crèves et je pique ton or. Et tellement. Tellement fiable. Ça a l'air par là, je dirais. C'est vrai que l'OST elle est pas mal hein, aussi hein, du jeu. Elle est vraiment bonne. Ah, c'est comme l'OST de Fallout 4. Hein. Elle est vraiment sympathique. Oh, oui. Fait partie de ces jeux qui ont toujours des OST. Bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Waouh. Que. Ah non. Bleh. C'était une queue de rat quoi, c'est dégueulasse. Je crois que je vais quelque part où ben en fait quelque part qu'il faut pas y aller en fait. T'as compris, Mas? Oui, oh, oh, oui, j'ai compris. Mais déjà tu. Moi je suis dans la montagne là. Pas ce que je t'ai dit hein, parce que ce que je t'ai dit c'est ne va pas en dehors des chantiers étant donné que tu n'as pas un bon sens de l'orientation. Mais je me plais à croire que t'es en train de jouer exactement de la même manière que moi je joue, donc je vais te laisser faire. C'est-à-dire essayer de monter à des endroits que t'es pas supposé monter. Ouais, c'est mon passe-temps ça. Oui, essayer de descendre par des endroits que t'es pas supposé de descendre. Je crève pas. Regarde, je suis même pas morte. En plus. Même pas morte. Non mais je suis vraiment mauvaise pour me diriger sur ces putains de RPG. Mais pourtant j'adore ces jeux. Je suis toujours en train de me paumer. Ouais, je me paume même dans Assassin's Creed. En fait, t'as vu la nouvelle? Apparemment que on aurait précisé que ce serait plus forcément une licence annuelle Assassin's Creed. Toi, en fait, tu viens pour me donner des mauvaises nouvelles en fait. Ah non, justement, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, on aura enfin des vrais épisodes quoi. Peut-être enfin retourner l'intérêt de la série quoi. Oh, y'a des. Maman, y'a un gros machin devant moi. Ah, il m'a vu. Elle vient te battre. Elle est un peu grand que je crois. Il m'a écrasé. Cool. Ma carte. C'est ma carte là, que je te disais, que j'ai mis ma carte de capture. Je suis morte comme ça. J'ai enregistré le son de mon micro à part de la vidéo. Mais putain, je me suis fait éclater. En fait, comme il dit mon fils, je me suis fait escrabouiller. Voilà. Oui, mais. Ouais, mais tu joues pas de la bonne manière là, parce qu'il faut que t'ailles télécharger le mode qui s'appelle, si je me souviens bien, Vrai Géant. Les géants sont 5 fois plus grands que ça. Étant donné qu'ils sont pas supposés, quand ils te tapent, ils sont pas supposés être grands de même, quand ils te tapent avec leur massue, ils te tapent dans un angle qu'ils sont pas censés te taper. Ce qui fait que ton personnage, il s'envole droit dans les airs comme une fusée à genre 300 mètres du sol. De ciel mène à de nombreux dangers. Tu sais quoi, selon moi, les deux modes qui sont essentiels dans Skyrim, que tu peux pas jouer sans? Le mode vrai géant que je viens de te parler, de 1. Et de 2. Le mode 30 minutes dead cam. Tout ce que ça fait, c'est que, tu sais, quand tu meurs, il y a comme une caméra là, qui te montre quelques secondes après ta mort. Mm-hmm. Ben là, la caméra dure 30 minutes. Ça veut dire que ce que tu peux faire, ben, normalement, tu peux aussi loader en faisant start, mais. Ouais, en fait, faut que je me barre dans les montagnes, en fait. Trouver la pierre du dragon. Ouais. Mais le point, c'est que quand tu... On peut
faut que j'aille en face, en fait. Quand tu mets le truc que je viens de te dire, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver avec le fait que tu peux te pitcher en bas d'une montagne. Ouais. Et puis voir toute ta chute. Fait que c'est très cool. Pas. C'est moi ou il bug? Moss, tu bug? Moi, je bug? Oui, tu bug. Comment ça, je bug? Bah écoute, moi ça a saccadé chez moi. Il s'est passé quoi là? Ça doit venir de toi, je pense. De moi? Hein? Ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont eux? Mais je. Oh putain, c'est des nécromanciens! Je pense que je n'aurai plus de problème. Non mais ça apparemment ça vient de moi. Non, ce que je veux dire c'est que j'aurai plus de problème au niveau de... Bon, voilà. J'aurais pas de plus. J'aurais encore. Je vais encore avoir une meilleure qualité de stream avec avec ma carte. C'est cool ça. Bon là maintenant mon internet est déjà plus rapide, ça c'est bien. Je leur vole, ça coûte du fric. T'as un rapace quoi. Ouais, ça coûte très cher. Par là. J'ai pas beaucoup d'argent de lousse non plus, hein. Tu remarqueras. Il y a des extensions. Il y a des. Ouais, bah carrément. Il y a des DLC sur Skyrim. Si je ne m'abuse. Ouais. Ouais, faudrait que j'envisage de les prendre parce qu'il me plaît bien le jeu. Mais donc, je vais être capable de jouer, je pense, avec mes consoles rétro, avec ma carte. Ce qui fait que je m'affranchis du logiciel, du truc que j'avais avant, qui surchauffe puis qui crée de la distorsion sonore. D'accord. Ça va être super. Tu vois, tu fais pas le malin, là. Quoi? Hein? Non, je viens d'éclater un loup. Pas incroyable, là. Je suis en train de rire de toi. De quoi? Oui, je suis en train de... Eh, n'empêche que j'ai trouvé! Hein? Toute seule, oui. Sans me perdre. Oui. Ouais. Avant de dire des méchancetés. Un cookie? Oui. De quoi un cookie? On va plus rien. Mais de ce cas où, des crayons de couleur ou, tu vois, pour te féliciter, tu veux un cookie? Un cookie, j'ai entendu un quickie. tu sais ce que c'est, moi? Y'a que moi qui sais ce que c'est un quickie. Ben, je crois savoir ce que c'est en fait, mais j'ai entendu que c'était pas ça. Il faut être tordu pour comprendre ça. Ouais, aussi. Carrément, oui. C'est voilà, rapidement, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. En fait, de toute façon, si tu veux pas dire les choses concrètement, tu finis ta phrase par si tu veux ce que je veux dire et la personne comprend généralement. Oh putain! Je me fais attaquer! Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Viens te battre, fiette! Toi aussi! Ya! Yeah. Tu dis chouette! Yeah. Crève maintenant! Toi aussi! Qu'est-ce que tu croyais, Robin des Bois? Bon, jamais, moi, jamais. Vous avez fini. Putain, je me souviens plus du. Allez hop, merci. J'ai foutu à poil. J'ai foutu tout le monde à poil. J'allais dire un truc encore plus grave. Après, je violerai leur cadavre. J'ai peut-être ma chance. Quoi? Attends-moi, j'arrive. Je suis allé me chercher à bouffer parce que je suis censé partir de chez moi dans 15 minutes puis j'ai même pas mangé encore. Heureux. Bon,
J'ai perdu mon autre cadavre. Autre cadavre, Théo. Il va peut-être me répondre. Non. Il est pas là. Il a pas l'air super coopératif en fait. Ah bah il est là. Je vais peut-être m'habiller du coup. Parce que là je suis en robe en fait. C'est un peu ridicule. Alors. Ouais, c'est bon. Tourmenté, ça donne vachement envie d'entrer en fait. J'ai des trucs étranges. Non mais je vais tout te piquer, monsieur. Hop. Épée. Il y a des gens. Ils ont tué tout le monde. Elle a des gros nibards, mon personnage. Plutôt fière de mon perso. Et puis en plus, elle a que de la peau sur elle, donc elle est quasiment déshabillée. Ah oui, toi aussi, c'est vrai, t'es mort. Non, on peut dormir. C'est pas ce que je veux faire. Il n'y a pas des flèches, quelque chose, non? Il m'a semblé voir un truc où j'ai rêvé. C'est quoi le cas? Bon, Moss, je retente un coffre novice. Ah putain. Bien joué. J'ai réussi, Moss. 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 Réponds pas, Sagouin. T'es barré. Comme un sauvage. Putain, c'est... C'est épicloute, là. Enfin, épicloute. Façon de parler. C'est pas bien, je profane la tombe des morts. Bouh, satanique. Tu pourras dire maintenant que je profane la tombe des morts, Marc. Ça a l'air d'être un... C'est un peu inquiétant, c'est pas très 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 rassurant. Vide. C'est moi que j'ai perdu ma connexion. Bah non. Allô? Les mecs? Les morts.
mon casque qui a foiré ou quoi? Bah non. D'accord. Ah bref. User joined your channel. Qui est là? Wesh. Oh putain, bah Biboule. Et bah Biboule. Ils font les morts les deux, Moss et Marc. Salut Dark Knight. Ça a pas ouvert. Ça a pas ouvert. Allez. T'es en stream? Ouais, mais tu peux rester. Je suis en train de jouer à Skyrim. Un stream sur Skyrim. Ouais. Il faut peut-être que j'active les piliers, effectivement. Y'a pas un dessin? Premier joueur des vrais jeux. Quoi? LOL. Quoi? Ça troll déjà. Ah bon? Tu ferais mieux de jouer à des vrais jeux. Toi? Non, toi? C'est pourquoi tu me dis ça? Pourquoi, ouais, parce que c'est pas compliqué. On joue à des jeux rétro. Voilà, ils sont là les vrais jeux. On va jouer à Mass Effect. Mass Effect, faudrait que je les refasse. Bon, bah je connais Mass Effect. Bon. Attends, tu m'as pris pour qui? J'ai fait un marathon sur Mass Effect. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. 24 ans non-stop. Ça marche pas, putain. Faire les 3 en 24 heures, je pense, hein, mais. Bah non, oublie ça, le premier en 24 heures. Et j'ai fait aussi 3 heures du 2. D'ailleurs, t'as vu mon message, Letty, sur la version de cette année? De quoi? Du marathon. Marathon? Non, j'ai pas vu. Super Live Gaming Marathon! Live Gaming Marathon! Mods. Bah. Non, c'est bon. J'ai rien dit. Pourquoi Mods? Non, mais j'ai ma réponse toute seule, c'est bon. Ah, tu voulais me demander quoi faire? Non, c'est bon, j'ai plus besoin. Merci quand même. C'est bon. Est-ce que ça marche là? Oui, c'était pour ouvrir la porte. Ouais. Mais on peut le stream de samedi parce que quand même ça va être exceptionnel. Hein. Moi je l'ai fait tout à l'heure. J'ai dit qu'il y avait un peu de monde dessus. J'ai dit qu'on allait streamer sur PD et que de quoi Marc? J'ai prévu qu'on fasse une news, tu sais, qu'on fasse des parachutes, des. Ouais, non, mais c'est ce que je vais faire. Putain. Ah mais là, c'est spécial parce que c'est Babyboule qui s'y colle. Premier PD quoi, le moins bon des deux. Quoi. Il est jaloux parce qu'il va pas aimer Payday 1, mais il va aimer Payday 2 quoi. Ouais, j'ai les deux hein, mais vous auriez joué aux deux, je voudrais rejoindre, mais sur le premier, on va se faire chier comme la mort. Oh, ah. Toi tu veux te faire chier comme. T'as dans ta mouille. Il a monté les marches dans l'autre. Ok, toi t'es rendu encore plus loin que ça, c'est vrai, j'ai 30 secondes de délai. My bad. Mais j'avance moi. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a 30 secondes de délai. Moi, tu viens juste de finir ta bataille avec Lyra. Oh, ça c'est génial!
Oh là, calme-toi. Ça va très bien pour t'aider, ça. Ça c'est ça. Petit putain de... Attention à l'araignée. Ah bah je me doute bien. Ah la pute. Elle est dégueulasse. Ah oui. Je vais mourir. Je vais mourir. Oh, ils sont durs les boss quand même pour une première mission. Oh non, t'es mort à la première mission. Non, en fait, je suis morte parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un peu la con. C'est que. Non, j'ai attaqué une poule dans un village et je me suis fait trucider. C'est comme quand tu butes le chien là dans le village, j'arrive bois ou. Elle est ici. Ils ont planifié le marathon pour quelque part en mars. C'est correct pour toi? Attends. Quelqu'un dans la toile, hein? Ouais, c'est bon, je l'ai vidé. Ah, je l'ai vidé la toile. Pourquoi tu l'as tué? Parce qu'il fallait que je le tue. Parce que j'aime bien tuer les gens. Non, c'est pas bien. J'aime bien tuer les gens. Faut que je fasse la prochaine attention la prochaine fois que je viens chez toi. Genre je t'ai violé quand t'étais chez moi. True story. J'arrête là, bon, on va me croire. Non mais sérieusement, t'es sérieux là? True story, bro. C'est pas du viol, t'es consentant. Ah putain le con. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a, Baby Bull? Alors, il y a mon patch de manteau qui s'est attaché au siège. Il a attaché à son siège. C'était intense ce soir? Bon? C'était intense du coup ce soir? Que tu me disais ça va être intense ce soir. Je peux le voir. Mon boulot. Oh, j'ai gagné un match. T'es sur Street Fighter encore? Ouais. Faire des news. Vas-y, fais-en toi. Un abandonné dans ta voiture. Combien de news aujourd'hui là? Là je fais une news. Moi il faut pas dire je n'ai pas fait. Babibou il en a fait deux dont deux grosses. Moi j'en ai fait 13. Deux, comme la bite. S'il te plaît, Letty elle est en stream alors. C'est bon un petit peu dégueulasse. Mais de toute manière c'est un fait connu par tout le monde. Je vais te dire, j'aurais voulu vouloir le cacher. Tout le monde le voit. Moi j'aurais tendance à dire qu'on s'en fout de... Ah mon dieu. C'est quoi ce machin? Il faut un peu t'empêcher de dire des cochonneries. Justement! Ah, je me fais attaquer par des cadavres! Après le premier commandement de la religion de Moss, il faut dire des cochonneries, sinon c'est pas bon. Oh, pas que t'aurais pas. Non, oui, mais on sait ce que ça veut dire au final, boss. Ouais, ça veut dire des cochonneries, ouais, effectivement. au final, c'est ça. Au final, ça revient au même. Le deuxième, c'est que tu ne devras jamais juger autrui. Exerce son droit dicté par le commandement numéro 1. Bon, je suis trop lourde. Et le commandement numéro 3, c'est que tu dois surenchérir. Tu es avec quelqu'un qui fait preuve de son droit dicté par le commandement numéro 1. En gros, si quelqu'un dit une cochonnerie, tu dois surenchérir avec une autre cochonnerie encore plus cochonne. Et ceci jusqu'à l'infini. Oh, Babiboule! Ah non, c'est pas moi là, je te jure, c'est Marc. Ah non, c'est même pas moi là, c'est Moss. C'est Moss alors. C'est comme ça. Le gars, faut le discret. Qui est mort de rire pour lui, c'est lui. Personne qui jamais. J'en lâche un par celui. Non mais j'ai... Non, mais c'est... Non mais j'ai tellement l'habitude que c'est l'un des deux, tu sais. Oh allez. Jalouse, va. Ah non, mais t'as fait news sur CSGO, t'en as rien à foutre de ce jeu. Tu rigoles, bravo, elle est trop bien ma news. C'est jaloux parce que ma news elle est trop swag, elle est tellement détaillée et tout.
J'imagine que t'as pas encore suivi le code des news. Bon. J'ai un peu envie d'aller regarder, ça me fait mal au cœur. J'imagine que t'as pas mis en gras et compagnie, quoi. Putain, comment vous vous balancez entre vous, quoi. Genre comme si j'allais vous engueuler, tu sais. Non, non, mais il veut clasher. Bon, on va clasher. T'es l'auto-clash. Moi, je clash jamais, moi. Je suis quelqu'un de super calme, ouais. Posé. Je troll pas, je tente pas, je clash pas, jamais. Ouais, t'as pas hésité à me balancer il y a deux jours, là, hein, devant Letty, espèce de bâtard. Ouais, c'est pas ma faute, à la base, c'est toi qui as fait l'erreur, hein. C'est pas ouais, moi. Bien sûr. Ne retourne pas la chose, hein. Regarde ta présentation de tes tests et tout, et brah, que je t'enfonce et tout. Et j'avais oublié ça, mais c'est vrai, c'est scandaleux. Bah, ouais, j'allais pas le voir, hein. T'enfoiré. Ah, mais comment vous êtes solidaires entre vous. Non, mais. L'autre il commence à son coin de tout près, putain. Marc, il a dit que le mec était là, il y a un mois là. Je sais pas qui c'est, Warren, d'accord. C'était pas. Oh putain, allez. Il est jaloux. Il est jaloux parce que j'aime bien Far Cry. Non, je rigole. C'est pas terrible comme argument, ça. Ouais, non, j'avoue, je suis un peu foiré là-dessus. Je t'ai pas flammé, bon, ça arrive. Je croyais que j'allais m'enflammer là-dessus, mais finalement, non, je. Jaloux parce que. Voilà, attends, c'est bon, là j'ai l'argument. T'es jaloux parce que moi je suis un vrai sur Payday et toi tu vois Payday 2 vieux cool avec des microtransactions. Oh putain! Des casse de merde! Non, je suis parti avant à vrai dire. Oh la fan quoi! Babyboule, sérieux, c'est quoi cette vanne de merde? Quoi, j'ai joué 17h je pense au 2, le temps de faire le tour quoi. Tu vois, ça reste Payday, hein, c'est pas un grand jeu. Le 2, non, il est naze. Ouais, comme le premier quoi. Bah, il est pas naze. Le premier il est encore pire quoi. Par rapport c'est un peu comme Borderlands 2, c'est le même en mieux avec tous les problèmes réglés. Quoi. C'est pareil pour PD. Borderlands, c'est pas le premier, c'est un peu le prototype, c'est un peu bon quoi. Ouais, enfin le. Non, le second est aussi un prototype. Et un prototype loupé. Il dit qu'il revient comme 8 km en arrière. Là. Non, mais je sais. Ah putain! Ah putain! Je me suis pris une porte! J'ai eu trop peur. Quoi? Je suis morte. Je me suis pris un piège. C'était un piège. Mais oui, mais... Oui. Regarde où est-ce que tu marches. C'était pas évident, le cidron à terre. Qu'est-ce que j'en sais? T'as pas vu le crise de rond? De quoi? Crise de quoi? T'as pas vu le crise de rond à terre? Non! Et ouvre tes yeux, tabarnak! Tabarnak, c'est une vie en pancake dans la neige! Hey, en ce moment, si c'est mode balle avec les couilles dans la glace, là, si! Quoi? Il fait tellement froid ces temps-ci! Lundi, je me suis levé, il faisait moins 30! Pardon! Moins 30? Il habite au Québec, j'ai failli dire une connerie! Putain, il habite en Canada. Putain, c'est chaud. Il habite en Canada, oui. Il est vivant. Il est vivant. J'ai entendu le début de phrase, Letty. Il va falloir que tu te fasses pardonner. Pourquoi? T'as signé quoi? Les paiements en nature. Quoi? La réponse. En nature, j'ai bien entendu. Hein? J'ai bien entendu en nature. En nature, oui. Ah bah, tu iras demander l'autorisation à quelqu'un. J'ai dit, va falloir que tu fasses pardonner, j'accepte les paiements en nature. Ouais. En fait, sur son compte PayPal, t'as marqué virement bancaire ou paiement en nature. Ah, oh, c'est des fous, eux. Je vais mourir. Je vais mourir. En vert! Couillard, maman! Il veut mourir! Je vais me dire de pas parler à la bouche pleine aussi. Aïe, il est derrière moi! Aïe, maman! Bonce.
idée. Apprends à te servir d'un bouclier avant de connaître le monde merveilleux de l'épée de main. Mais j'ai un bouclier. Tellement fait défoncer. Ouais, mais ce que je te dis, c'est utilise le plus. Et après ça, apprends qu'il y a des épées de main puis abandonne le bouclier. Parce que c'est de la merde quand tu compares ça aux épées de main. Bon, je me rhabille. Moi, je vais tester Quantum Break et pas Marc. Oh putain de merde. Ouais, moi, je suis en train de tester American Truck Simulator et pas toi. Ouais, la chance. Non seulement de la chance, je l'ai demandé expressément. D'ailleurs, je sais pas si t'as joué à Euro Truck Simulator, mais il y a un truc super drôle à faire avec les. Ben oui, je pense que je l'ai demandé. Super drôle. Parce que t'es de gruger le péage, en fait, t'arrives à bugger ton camion. Ah, ça. Au péage. Ouais, en fait, t'attends qu'il y ait un camion qui passe et toi tu fonces juste derrière et en fait la barrière va se refermer sur ton camion. Le camion il va être tout bugué, il va faire des pirouettes partout. Oh, mais c'est pas vrai! Barrière, c'est Hulk là, je veux dire, dans ce jeu là. T'as-tu déjà joué à Euro Truck Simulator 2? Bah, c'est celui-là, ouais, que je parle. Ben, les payages, t'as-tu déjà rentré à pleine vitesse dans une gate de payage? Passe de 90 km/h de 0 en 0 secondes. Bah, t'étais un petit peu drôle d'idée, moi. Moi, c'est que je voulais pas payer le péage, en fait. Il y a des clôtures sur certains péages. Oh, là, c'est Moss. En plus, j'étais fucking loin du micro, fait qu'il fallait qu'il soit fort. Ah, c'était toi, gros dégueulasse! Ah, c'était dégueu. À savoir que je suis en voice detection. Ce qui fait que pour qu'il capte un roux, faut qu'il soit fort en Chris. Qu'il soit fort en Chris! T'es quoi? Peut-être une hache nordique, c'est une hachette, une hache. On va prendre ça. Bon allez, je vais aller découper des bouts de marcheur blanc. Non, c'est pas dans mon sens. De marcheur blanc. Marcheur blanc. Ah. Ah putain, mais je retourne complètement en arrière, n'importe quoi. C'est dans le sens de la rotation légendaire. Je vais vous laisser à plus tard. A plus. Ça. Bye. T'as même pas remarqué avant que t'étais en train de revenir sur tes pas? Non. Waouh. Bon allez, c'est lui, je vais me le faire. Viens ici toi. Allez, viens. Allez, viens. Faudrait que je sois derrière toi puis je te dis non, pas dans le bon sens. Non, pas dans le bon sens. Putain, avec sa magie de merde, elle m'énerve. Il me classe. Quand tu vas être au lit, je vais te regarder puis je vais dire non, pas dans ton sens. Faut que tu répondes à mes conneries. Attends, je suis concentré pour pas mourir. Crève. Pardon. Pas mourir devant ces hosties de gars faibles là. Chut. La merde. Ils sont vraiment pas forts, les autres. Oh putain de merde! J'ai réveillé les autres! On voit ta souris. Eh ouais, c'est chiant. En train de mourir par hasard. Ouais.
Je l'ai tué. Putain, je suis trop lourde. Merde, mets ton bouclier devant toi. Chut. Je réfléchis. Ah, c'est pour ça que ça sent le brûler jusqu'ici. Ta gueule. Le bouclier était bien placé. Oh, j'éteins, je m'allège un petit peu là. T'es en train de dire qu'elle était trop lourde. C'est ça. Non. H. What the fuck? Quoi? C'est quoi une chèvre? Non, je suis en train de réfléchir. Ah. Comment un chèvre? Ouais, non, 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 c'est ça, 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 c'était une mauvaise idée, by Tibul. Oui, oui. Non, non, je veux garder mon bouclier, moi. Donc, débarrasse de ton bouclier juste quand t'as une épée de main. Et boy, que c'était très bien dit, ça. Ezne. Quoi? Ezne. Tu parles de quoi, là? Épée de main. Ah, j'ai mal aux fesses. Je te l'ai dit, ne te débarrasse de ton bouclier. Lorsque tu as une épée de main. Il est mort. Par contre, t'as des flouzes. Il y a un fucking piège en face. Bon, tu commences à être un petit peu plus intelligent. Capter ça? Putain, je récupère les sous. Tu sais, moi je suis un rapace. Tu demanderas à Guillaume dans. Quand on joue à Borderlands, je l'ai fait chier avec ça. Casser crochet. Écoute, ils ont pas à chialer, ils peuvent se dire qu'au moins ils seront pas constipés. Et la maladie mentale qui aurait été tellement mauvaise au lockpick. Merde. Mais Chris, comment tu veux pour aussi mauvaise? Ouais. Parce que je suis mauvaise. Merde. Je suis nul, j'arrête. Le pire, c'est que je suis capable de dire exactement où aller pour débarrer la crise de... Oh, j'ai traversé le truc, j'ai aucune idée de comment j'ai pu faire. Voilà. Je demande moi aussi, sérieusement. T'as vu comment j'ai traversé? Je sais pas, tu viens... Ah, voilà, tu viens de traverser pour moi. T'as vu? Ouais. Je suis... Ben, on appelle ça le timing. Il a de la magie, lui, cet enfoiré. Comme tous les autres. Ça me fait chier que je peux pas rester parce que juste à devoir galérer sur eux autres, j'aimerais tellement ça te voir sur le boss final de ce niveau-là. Quoi? À quel point tu vas en chier? Quoi, y'a un boss final de ce machin-là? Tu penses qu'il y a pas de boss dans Skyrim? Non. Oh putain! Confirme qu'il y en a. Crève, saloperie. Bam. Ah ah! Ah, y'en a un autre! Viens! Ah, lui par contre, il m'a fait mal. Ah, y'en a! Si t'avais été un archer, tu vois toute l'affaire qui glow à terre là? Bon, ben, je suis morte. Ah, mais tu sais l'affaire qui est comme. Tu sais l'affaire qui est comme arc-en-ciel là sur le sol, là, le liquide? Hein? Hein? Tu sais le liquide qui est sur le sol là, qui est comme arc-en-ciel? Ouais. C'est de l'essence. Ouais, mais j'ai compris, mais... Et le pot en haut, tu le fasses tomber dedans.
Ah, faut, que fasse... faut que je passe un barbecue, quoi. Burn, baby, burn, burn. Barbecue de mort en préfaction. Et comment je fais tomber? Même comment ça... J'appelle ça une flèche! Ah ouais, j'ai... Ah oui, c'est vrai, j'ai un... Avec le nombre d'arcs t'as ramassé. Non, mais j'en ai gardé un bon. Ah. Je les ai encore. J'ai pas besoin d'un bon arc, j'ai besoin de savoir viser. Non, je l'ai ça, plus. Ça, je pense que tu l'as pas, par exemple. Nya nya nya, fuck nya nya nya, fuck nya nya nya. Où il est parti en couille, le boss, là. Ah non, mais là, j'ai pas... Et là, je recommence, donc... je peux me remettre... ma hachette. Et où mon bouclier? C'est bon, je vais l'équiper. C'est les espèces de monstres là. Je sais pas si. Comment j'ai flippé! Je peux ne pas les réveiller aussi? Bah, je pense pas que ton sneak est assez élevé pour ça. Mais c'est théoriquement possible. Putain. Alors, on s'entend que moi, dans ma game, je fais toujours 2-3 types de game de jeux Bethesda. Ben on va parler des jeux Elder Scrolls, là, c'est quand même plus facile. Je commence par être un voleur. Donc je suis axé stealth, arme à distance, critical, stealth attack. Pour essayer vraiment de faire le maximum de dégâts. Oh! Je suis capable de voler des vêtements sur du monde. Avant ce que je lui ai mis dans sa mouille. Je me vois. Bon, il faut que j'y aille, je reviens si t'es encore là. Ouais. Je reviens pour te faire chier. Je serai de retour pour te jouer un mauvais tour. La Team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ça sera la guerre. Oui, la guerre. Ok, je m'en vais. User left your channel. Il est fou ce mec. Son arc, son super arc. Mauvaise idée, mauvaise idée. Yeah.
Ah putain, ça me saoule. J'arrête pas de recommencer. Je sais pas si on peut sauvegarder juste après. Attends, mon téléphone, je suis en train de le vider comme ça.
User in your channel timed out. Olé. Non, non, on va éviter de... J'ai un truc intéressant. Efficace. User joined your channel. Ouais. De mourir, j'en ai trop marre. Oh, putain de merde. Oh.
J'ai mal géré pour ce coup-là. Bon, ça va. Wow, calmas, mon gars. Wow. C'est un peu violent là quand même. Il y a une lune qui me chatouille, ça m'énerve. Elle est là. D'accord. Normal. Sérieusement?
Putain, je suis pas loin en plus. Je suis morte connement. Où est-ce ? Ah, il est là. Tu es là ? Oh ! Non, 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 non ! Attention. Heureusement, j'ai sauvegardé. Aïe, j'ai mal aux fesses. Ça m'énerve. Il y a un papou méchant. Joli. Hop, je vais arrêter là. Je vais juste couper le stream. Je vous dis bonne nuit à tous. Et puis. Moi c'est moi je restream samedi, ça va marcher. Apparemment ça va pas. Toc. Bonne nuit à tous. Allez, coupe-toi la diffusion. Coupe-toi toi la diffusion, hein.